Bonjour et bienvenue à cette présentation, un moyen infaillible pour rendre vos plats irrésistibles. Alors, du réfrigérateur au garde-manger, l'umami est partout. Venez avec moi et ensemble, nous allons découvrir la cinquième saveur. Alors, nous connaissons déjà quatre saveurs, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Mais voici la cinquième saveur, l'umami. Umami est un emprunt au japonais signifiant goût savoureux. Et l'une des cinq saveurs de base avec le sucré, l'acide, l'amer et le salé que notre langue peut détecter. Évidemment, l'umami se retrouve partout dans tout ce qu'on mange. Voici deux exemples très simples. Alors ici, des petites chips Pringles. Pourquoi est-ce que je ne peux m'arrêter d'en manger? Bien, c'est simple. C'est parce qu'on y a introduit du glutamate monosodique, de l'iosinate disodique et également du guyanilate disodique, qui sont trois umamis bien connus ou trois récepteurs d'umami. Également, dans la colonne de droite, vous pouvez voir kombu seaweed. Excusez-moi pour la traduction, il n'y avait pas de traduction francophone. Mais vous pouvez voir kombu seaweed qui est évidemment une des algues qui contient de l'umami. Maintenant, allons voir qu'est-ce que c'est que l'umami. Mais pour commencer, je vais vous mettre l'eau à la bouche avec une petite bouchée. Voici ici un bel exemple de l'umami utilisé à son meilleur chez le restaurant Aimea à Chicago. Alors, vous avez ici une bouchée qui est composée d'une fine tranche de truffe surmontée d'un foie gras au torchon, d'un vinaigre caramélisé vieilli en fût, un peu de sauce soya et de sel fumé. Alors, cette bouchée-là, comme vous pouvez vous en douter, doit être vraiment très savoureuse. Ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons faire un trend tour des trois grandes villes gastronomiques américaines, c'est-à-dire Chicago, New York et Los Angeles. Alors, commençons par l'umami qui nous vient de la mer. Alors, l'umami qui nous vient de la mer nous vient de différents endroits, vous pouvez le constater ici. Et les taux de glutamate, de iosinate et de guyanilate vont être différents de tous ces produits. On commence évidemment, on a le nori, on a les algues kombu, les algues wakame. Et ici, vous pouvez constater, ce sont trois produits qui nous viennent de notre producteur québécois, Océan de Saveur, en Gaspésie. Donc, on a accès à ces deux produits-là ici au Québec, c'est fantastique. Évidemment, le caviar, le niboshi ou les petites sardines salées. Togarashi, qui est un mélange d'épices japonais très connu. Le furikake, qui est également un mélange d'épices et d'algues ensemble, qui est une épice très utilisée au Japon. Le bonito séché, qui est le petit thon bonito, qui est séché et ensuite de ça tranché en fine lamelles, qui donne un résultat très intéressant sur les plats. Le poutard, qui sont les œufs de poisson pressés, séchés et salés, que l'on râpe ensuite pour aller donner beaucoup de saveur à ce qu'on peut faire. Le neonata, qui est une sauce piment fort et ice fish avec un peu d'huile d'olive. Et pour terminer, les anchois. Donc, voici en fait ce qui peut nous provenir de la mer. Évidemment, il y en a plus que ça, mais je vous ai mis les essentiels sur cette diapositive. Alors, commençons notre trend tour ensemble de l'umami qui nous vient de la mer. Premier restaurant, le restaurant Okawi, qui est un restaurant de New York. Et ici, nous présente le gâteau de riz, qui est un plat qui va devenir de plus en plus populaire. Gâteau de riz épicé, rôti. Et ici, on a utilisé le jambon Benton's, qui est un jambon, tout simplement, un jambon vieilli et fumé, qui nous vient du Tennessee. Mais je vous dis, on n'a rien à envier au Tennessee avec nos charcutiers ici au Québec. On va certainement trouver des jambons qui sont à la même qualité que ce jambon-là. Et la galette de riz est assaisonnée avec du furikake. Donc, ça nous donne une très belle entrée ici, quelque chose de vraiment très intéressant. On continue avec le restaurant Aneo, qui est un restaurant de New York, où on nous présente ici une belle petite soupe de dumplings avec un dashi au bouillon de bœuf et également des petites algues de nori à l'intérieur pour aromatiser. Très beau plat réconfortant et de plus en plus populaire. Encore une fois, un restaurant Aneo. Ici, on a un bibimbap à la feuille de périlla. Donc, le bibimbap, c'est un plat mélangé coréen, typiquement coréen.
dans lequel on va retrouver différentes saveurs. Ici, on a un sashimi de thon, des œufs de morue, des œufs de saumon épicé, carottes, nouilles et oignons verts. Très beau plat et qui doit être effectivement vraiment très savoureux. Ici, belle utilisation de l'umami de la mer. Alors, on utilise du beurre, évidemment, dans toutes nos présentations. On sert le pain aux gens. Pourquoi ne pas faire un beurre composé, tout simplement, avec des algues? Alors, on va incorporer des algues à l'intérieur de notre beurre qui vont donner un beau beurre composé très savoureux à proposer à notre clientèle. Ici, encore une fois, Aneo, New York. La bouillabaisse épicée. Regardez comme c'est joli. Vous avez ici la morue, les palourdes, les moules, crevettes grillées, pétanques, gâteau de riz. Et ce sont les œufs de saumon qui font office de umami dans ce plat, ainsi que les petites algues qui ont été mis dans un beurre composé, tartiné sur les petites croustilles à l'arrière ou les petites baguettes à l'arrière. Alors, encore une fois, un très beau plat à présenter qui va être vraiment savoureux. On poursuit avec chez Pacific, Los Angeles. Ici, on a une belle brochette de pétanque qui a été assaisonnée au togarashi et avec une mayonnaise à la lime en accompagnement. Ici, nous sommes chez Kitsune, Kitsune Restaurant de Chicago, où on nous présente un maïs grillé qui a été, encore une fois, assaisonné avec l'épice togarashi, mais qui a également été mariné dans le mirin et un peu de yuzu. Très intéressant, belle présentation, c'est quelque chose de fun comme accompagnement. Ici, chez Black Ship, à Los Angeles, on a une salade de radicchio. Alors, c'est une salade de radis melon. Je ne sais pas si vous connaissez le radis melon, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant à travailler. Beau radis, avec une belle couleur de melon d'eau, très agréable. On a également des croutons furikake, donc les croutons qui ont été assaisonnés et ensuite de ça réduits en petites chapelures, des croutons de furikake qui ont été assaisonnés au furikake. Et on a également une vinaigrette à la courge butternut. Très petite salade, très fraîche, belles idées pour cet été. Ici, encore une fois, chez Black Sheep à Los Angeles, alors on a les champignons. Les champignons, c'est également un des umami qu'on va visiter tout à l'heure, mais ici, on l'a tout simplement additionné d'algues hijiki. Alors, c'est une belle salade qui va être très, très savoureuse et qui va nous amener de belles saveurs en bouche. On continue avec Aneo, New York, encore une fois. Alors, comme vous pouvez constater, ce restaurant-là est un endroit à visiter. Il y a énormément de plats qui sont ressortis du trend tour du restaurant Aneo, donc à visiter définitivement. Alors ici, on a une belle morue charbonnière qui a été saisie à la poêle et qui est accompagnée d'un mijoté à la sauce soya et également avec les algues wakame à l'intérieur de notre mijoté. Donc, très beau plat, vraiment intéressant à déguster et la présentation n'est pas à dénigrer non plus. On continue avec Racine, encore une fois à New York. Alors ici, quelque chose de très simple. On parle de poireaux grillés. Alors, tout simplement, des poireaux qui ont été grillés et accompagnés de sauce soya blanche et un petit bouillon dashi au jus de céleri, micro, feuilles et un peu de céleri. Chez Pacific, à Los Angeles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une belle sauce composée d'encre de calmar. L'encre de calmar qui fait partie également de nos umami de la mer, qui va amener beaucoup de saveur ici à ce plat de piment shishito carbonisé. Alors, les légumes carbonisés sont très en vogue cette année, encore une fois, et c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire auprès de la clientèle. N'hésitez pas à les présenter. On continue avec le restaurant Canal Street Oysters, qui est à New York. Alors ici, on a un tartare de maquereau à l'espagnol et accompagné des petites croustilles de crevettes à l'encre de calmar. Donc, vous avez vraiment quelque chose ici qui doit être plein de saveurs. Les croustilles, définitivement, vont amener cette espèce salée au tartare qui va le rendre encore plus intéressant. Et un tartare de maquereau à l'espagnol, ben, c'est bien parce que la saveur du chili et du jalapeno vont venir un peu étouffer cette présence très poissonneuse du maquereau qui va faire que ça va devenir un plat très intéressant.
Ici, on est chez Carbonara à Los Angeles, où on a des pâtes, des conchiglietti à l'encre de sèche. Et également, on a des œufs d'oursin et des œufs de saumon, un peu de poutargue. Alors, le poutargue, je vous en parlais tout à l'heure, ce sont les œufs qui sont pressés et séchés, qui ont été ajoutés sur le dessus. Et on est tout ça servi dans un beurre de chipotle. Donc, un plat très rehaussé, très savoureux, qui doit être très intéressant à goûter. Maintenant, chez Savidan, New York, nous avons le très connu Taramasalata, pardon, Taramasalata. Alors, un plat de morue séchée et salée qui va être mélangé avec de l'huile d'olive, un peu de jus de citron, pommes de terre et une garniture de ciboulette et de tobiko. Alors, le tobiko, évidemment, la garniture sur le dessus. Et la Taramasalata est un plat, évidemment, qui est assez connu. Pommes de terre, des poissons et mayonnaise. Chez Racine, à New York, encore une fois, ici, on a un beau plat de lentilles, additionné deux de truite et un peu d'huile de laurier à l'intérieur du mélange. Donc, beau petit plat d'accompagnement, très intéressant, qui va certainement amener beaucoup de saveur à notre repas. Ensuite de ça, chez Tartine à Los Angeles, on a tout simplement un œuf mollet accompagné d'œufs de truite et un toast qui est parsemé de za'atar, cette épice libanaise très connue qui amène énormément de saveur. Alors ici, chez PNC, nous avons une trempette aux œufs de saumon fumé. Alors, tout simplement, une trempette de crème fraîche, ciboulette et des œufs de truite en accompagnement. Quelque chose de très, très, très simple, mais qui va être évidemment très savoureux. On poursuit avec chez Cathédrale à New York. Une omelette écroustille. Alors, c'est tout simplement une omelette qui a été composée avec des composantes régulières, mais tout simplement ajoutée de caviar de Kalouga sur le dessus, qui va amener énormément de saveur avec cette petite touche salée nécessaire pour rehausser le plat. Et il y a un peu de crème fraîche également pour accompagner le plat. Chez Okawi, à New York. Alors ici, on a le Kawibap. On a un rouleau ici aux anchois confits avec une omelette japonaise en rouleau de nori avec 2 onces d'oursin et 1 once d'œuf de truite. Donc, encore une fois, quelque chose d'original, mais très savoureux, qui va donner un plat vraiment agréable à découvrir. Chez Tsimis, à New York, encore une fois, nous avons la salade César à la Philippine. Alors, une salade César, une sur même coton à l'ail et ici, on a des flocons de tuyau. Le tuyau est un poisson séché ou une sardine séchée qui est râpée, tout simplement, pour ajouter cette saveur très salée que l'on retrouve dans la vinaigrette César et qui va également relever un peu cette salade. Donc, une belle façon originale de changer notre César. Ici, chez PNC, on a une trempette à l'oignon et poutarde. Alors, tout simplement, des œufs de mulet. Les œufs de mulet, ce sont des œufs de poisson, évidemment. Salés et séchés qui sont agrémentés également de ciboulette. Alors, ici, nous avons des crevettes légèrement frites et un peu de poutargue pour accompagner. Un aioli au citron et au champagne. Petit plat très simple, encore une fois, mais qui a l'air savoureux. Ici, on parle d'une belle tendance, les avocats. Alors, on a un avocat grillé chez Jungle Room qui a été accompagné d'amandes grillées sur le dessus, mais également d'une sauce ponzu à l'intérieur pour aider à la dégustation et un peu de sel tiède en dessous pour tenir nos avocats, mais également, on peut l'utiliser pour parsemer, pour assaisonner notre plat. Très belle présentation, quelque chose qui est très tendance actuellement. Ici, chez Jungle Bird, on a les frites de manioc. Alors, les frites de manioc, c'est une belle frite à utiliser qui va faire différent de ce qu'on utilise habituellement. Et ici, on l'a agrémenté d'un kimchi et d'une mayo à la sriracha et des flocons de bonite sur le dessus qui vont amener cet aspect un peu jovial, convivial au plat et qui va donner quelque chose de vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on met des flocons de bonite sur un plat chaud, ça bouge. Ça donne une animation à notre plat. C'est très agréable. On continue
avec chez Royal une petite pâte au radis. Alors, je vous parlais tout à l'heure des radis melon. Eh bien, c'est une belle façon de les utiliser. Ici, on les a transformés en tagliatelles et on les a agrémentés avec un peu d'oursin, des œufs d'oursin, des radis, du dashi aux œufs, des œufs et des truites fumées. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un plat qui a énormément de couleurs et qui doit être vraiment, vraiment très savoureux. C'est très agréable à regarder et je ne doute pas que ça doit être très agréable à déguster également. Ici, c'est Kitsuni à Chicago. Ça s'appelle le Shawanmushi. Alors, on parle ici d'une platée avec crabe, anchois, radis et œufs de truite. Chez Racine, à New York, on a ici des choux de Bruxelles grillés ou rôtis que l'on a accompagnés d'une sauce exo. Une sauce exo est une sauce épicée aux fruits de mer originaire de Hong Kong. Et un peu de granola de topinambour. Très intéressant. Ici, on a un topinambour séché qui a été transformé en granola. Très belle idée. Ici, c'est CNB à Los Angeles. On a le Liam Kang Shanghai, qui est un poulet aux crevettes roulé dans les petites feuilles de pâte, qui ils sont servis également avec la sauce XO. Un peu de jaune d'œuf séché et au sel. Sauce chili douce et un peu d'atsar. Très beau plat qui fait une belle entrée. Très intéressant à regarder. Alors, pour l'umami de la mer, ça complète. Maintenant, nous allons passer à l'umami de fermentation. D'où est-ce que ça nous provient? Eh bien, l'umami de fermentation nous provient de différents endroits, encore une fois. Que ce soit la sauce poisson, sauce huître, les sauces soya, le miso, le kimchi, ail noir, fèves de soya, et également les aminés liquides. Alors, vous pouvez voir les différents niveaux de glutamate. On ne retrouvera pas dans ces aliments-là de l'ionisate ou encore du guinalate. Alors, allons-y pour la découverte des umamis qui nous viennent des fermentations. Alors, ici, nous avons chez Carbonara un panais. Alors, panais rôti avec la sauce XO, des dattes, du manjoel, un peu de l'ebni, du citron caviar et de la ciboulette coréenne. Quelle belle découverte ici. Une présentation très jolie et un plat qui doit être vraiment très savoureux. On continue avec Black Sheep à Los Angeles. Ici, nous avons les boulettes de viande Niman Ranch. Alors, une laque au tamari cette fois-ci. Alors, sur une polenta avec un peu de relish au wasabi, concombre japonais. Encore une fois, une belle entrée fraîche et agréable qui va vraiment donner beaucoup de saveur. Chez Black Sheep à Los Angeles, l'arancini tekiji. Alors ici, on parle d'une sauce soya à umami de jaune d'œuf de Chino Valley. Alors, c'est tout simplement un arancini qui a été farci avec les jaunes d'œufs et qui est servi avec la sauce soya en accompagnement. Chez Pacifique, une brochette d'épaule d'agneau avec la sauce gochujang. Alors, la sauce gochujang, c'est un condiment fermenté coréen, piquant, à base de piment rouge et de meju, de farine de riz gluant et de germes de blé. C'est un accompagnement ou un assaisonnement très, très, très populaire en Chine et en Corée. Chez Most Valuable Player à Los Angeles. Alors, ici, on a des ailes de poulet. Vous pouvez voir des ailes de poulet frites de mine. Alors, ailes de poulet à l'ail, vietnamienne, avec du nok nguam et du parmesan. Alors, petite entrée très simple, très américaine, qui peut être intéressante sur nos terrasses. On poursuit chez Pacifique avec une brochette de cuisse de poulet avec du yuzu kosho. Alors, le yuzu kosho, c'est un condiment japonais chaud et citronné qui est fait avec du zeste de yuzu, du frais et des piments togarashi. Donc, vraiment un assaisonnement qui va amener beaucoup de saveur, qui va relever nos plats. On poursuit chez Carbonara. Alors ici, nous avons
Le chou-fleur popcorn, ça c'est vraiment intéressant. Alors, un chou-fleur au tempura servi avec un yuzu kosho et du banh cola lime. Donc, quelque chose qui va être vraiment frais en bouche avec beaucoup d'acidité et également la lourdeur du chou-fleur frit va venir contrebalancer tout ça. Chez Oui Chef. Alors, on appelle ça le déjeuner français. C'est un radis, encore une fois, le radis melon. Et avec un beurre à l'umeboshi. Umeboshi, ce sont des prunes salées qui font partie des tsekkei mono. Elles sont un aliment traditionnel qui est très populaire au Japon. Changbird. Ici, on a une salade vietnamienne toute simple avec des vermicelles, carottes, du daikon mariné, des laitues jam, alors des petites laitues Boston. Un peu de concombre, des arachides, des herbes, du piment chili et évidemment la petite sauce noix Tuam pour accompagner. Chez Jungle Bird, encore une fois, on continue cette fois-ci avec un gâteau de riz croustillant. Alors, les petits gâteaux de riz, c'est une belle entrée à présenter. C'est très, très simple à réaliser. Et ici, on les sert avec la pâte de piment gochujang, un peu de piment doux mariné, du sésame et des oignons verts. Donc, quelque chose de très, très simple à présenter et à servir qui va donner une belle entrée. On poursuit chez Adeo à New York, où là, on a une crêpe aux haricots, mung et un peu de kimchi, donc servi avec le kimchi à l'intérieur de la crêpe et une petite sauce d'accompagnement que je ne connais pas malheureusement. Chez Oui Chef. Alors, ici, on a une sandwich à la langue de bœuf et sauce grébiche. Alors, vous avez une belle sauce à la langue de bœuf qui est faite avec. C'est une sauce tonkatsu. La sauce tonkatsu, c'est une sauce épaisse qui est servie avec le tonkatsu de côtelette de porc japonaise. C'est une sauce type Worcestershire japonaise. Et la sauce grébiche, elle, est une mayonnaise faite à base d'œufs durs. Et avec également moutarde et montée à l'huile à la fin. Donc, ici, belle petite sandwich. Le okonomiyaki au chou-fleur et aux noisettes. Alors, ici, on a encore une fois la sauce tonkatsu et une mayonnaise à la japonaise, oignon vert. L'okonomiyaki, très, très beau plat à présenter comme entrée, qui est très versatile, qui nous permet de faire plein de choses. Ici, mon coup de cœur. Chez Jungle Room, le chou-fleur brindé à la limonade et sauce mollet. Alors, vraiment quelque chose de très original quand on parle de veggie-centric où le légume prend toute la place. Ben ici, on a vraiment un exemple de légume qui prend définitivement toute la place. Quelque chose de très intéressant. Chez Beatnik, ici, on s'en va dans les légumes grillés ou carbonisés, ou moi je dirais rôtis. Alors ici, on a le mini brocoli sucré rôti qui est servi avec la sauce noix Tuam sur un humus et graines de tournesol, des oreilles de grenade et ainsi qu'un peu de riz soufflé. Donc encore une fois, une belle entrée, très simple, mais qui va donner toute la saveur qu'on requiert pour attirer notre clientèle. On continue chez Honda, Los Angeles, où là, nous avons de la patate douce marinée au koji. Alors, c'est une salsa matcha, créma à la maison, créma de maison, le koji et les tortillas de maïs de variété ancienne. Donc, tout ça va nous donner, vous voyez les tortillas derrière, tout ça va nous donner une entrée qui va être très savoureuse puis qui va être très, très, très peu coûteuse. Donc, bon rendement. Chez Birdies, on a ici une polenta grist and toll. Donc, c'est une relish de champignons qui a été additionnée à notre polenta, ainsi que les herbes et le fromage Coulee O'Neill's Yard, qui est un fromage qui nous vient, qui a un goût de style gouda hollandais et qui est affiné 12 mois, qui a une saveur de noisette. Et également un peu de touche de caramel. Donc, c'est fromage hollandais. Chez Mizi, nous avons les chanterelles sotolio au romarin, à l'ail et au citron.
Alors, les champignons, c'est quelque chose à exploiter définitivement. On a beaucoup de producteurs de champignons frais au Québec qui nous arrivent avec des variétés que l'on ne connaissait pas. Je pense aux 400 pieds, également champignons qui produisent des champignons frais, qui sont vraiment intéressants et qui sont à exploiter en restauration parce qu'ils amènent des saveurs extraordinaires et des textures très agréables également. Alors, encore une fois, chez Mizi, ici, on a une tagliatelle avec une pâte maison, des champignons matsutake et également un peu de menthe et de parmesan. Un beau petit plat frais, très agréable. On poursuit maintenant avec Electric Lemon. Alors, chez Electric Lemon, ici, nous avons un gruau au grain avec des champignons matsutake, un peu de brûlant shimeji. Alors, matake ou poule des bois, qui est un champignon blanc ou brun, il ressemble à un corail. Et le brûlant shimeji est un champignon comestible originaire d'Asie de l'Est, mais qui est cultivé en Amérique du Nord également. Dans la nature, on dit les shimeji sont des champignons branchés qui poussent sur du bois. Donc, très beau plat ici, encore une fois, très agréable. Ici, chez PNC, nous avons un humble chevalier salé et séché. Donc, vous pouvez voir l'humble chevalier dans le fond. Ici, on a de l'humble chevalier du Québec qui est vraiment extraordinaire chez Raymer, un de nos fournisseurs, qui va vous donner, qui va pouvoir vous permettre de réaliser ce plat-là et d'en faire un grand succès. Donc, l'humble chevalier avec un peu de radis, de gingembre, de piment verneau, ainsi qu'un dashi aux champignons, qui va lui donner une très belle saveur à ce plat-là. Brunoise d'ananas et ciboulette et aneth. C'est vraiment quelque chose de très frais. Ça doit être vraiment très bon en bouche. On continue chez Somerset, ici à Chicago, avec les champignons maitake qui sont grillés, avec un peu de cresson, graines de tournesol et le tout aromatisé au miso. Chez Héritage à Chicago, nous avons le ramen au maïs sucré, légumes grillés sur feu de bois. Alors, encore une fois, un très beau plat intéressant avec du doenjang, miso jaune, champignons sauvages et kimchi. Le doenjang, c'est une pâte de soya fermentée traditionnelle de la cuisine coréenne qui va venir agrémenter ces plats en soupe comme ça. Alors, ça complète pour notre umami de fermentation. Maintenant, nous allons nous diriger vers les umamis de levure. Alors, les umamis de levure, où est-ce qu'on va les retrouver? Bactéries et levures, bien évidemment, fromage. Alors, que ce soit le parmesan, l'emmental, les fromages Cabrel ou bleus, les cheddar. On va les retrouver également dans les thés, comme le matcha, dans les tomates séchées et également dans les levures alimentaires. Encore une fois, comme vous pouvez voir, on ne retrouve que du glutamate. Les deux autres indicateurs ne sont pas présents. Alors, continuons, si vous voulez bien, notre tour, cette fois-ci, dans les bactéries et les levures. Alors, on s'en va chez Oui Chef avec les profiteroles avec une crème anglaise au gingembre et au matcha. Regardez ça, c'est joli. Quel beau plat, quelle belle présentation et une idée originale. Ensuite de ça, nous sommes chez Winson, où nous avons un sandwich Joutiao. Alors, ici, on a un œuf, un peu de fromage raclette, du jarret de porc braisé, de la sauce au gingembre et un petit pain au lait. Petit sandwich qui me semble, ma foi, très délicieux. On poursuit maintenant chez Eden, où nous avons des beignets à l'umami. Alors, des beignets, tout simplement, qui ont été farcis aux champignons rôtis et qui sont servis avec une sauce à la raclette chaude. Ça a l'air vraiment bon. Alors, voici pour les bactéries. Maintenant, on va poursuivre avec notre umami à la viande. Alors, les umamis de viande vont nous venir évidemment de nos charcuteries, du nouja, du jambon salé, au niveau de nos œufs, des prosciutto et des bœufs vieillis. Alors, cette fois-ci, comme on peut le voir, on va retrouver un niveau de inosinate très élevé dans certains produits. Et évidemment, le glutamate va être plus réduit dans d'autres produits comparativement à ce qu'on aurait pu retrouver dans les autres catégories d'umami. Alors, poursuivons notre tour dégustatif.
Alors, nous avons ici chez CNB un adobo de queue de bœuf avec la moelle. Alors, un os à moelle dans lequel on a ajouté de l'adobo et également un peu de relish d'échalote. Beau plat, très intéressant. Chez Birdies, ici, nous avons des beignets de choucroute. Alors, du bœuf salé, des gribben. Alors, les gribben, dans la cuisine juive, sont des crépines croquantes de peau de poulet ou d'oie avec des oignons frits. Alors, quelque chose d'intéressant. On parle de peau de poulet ici, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire dans les izakayas et dans la cuisine moderne. On poursuit chez Birdies avec la salade Birdies, où là, nous allons retrouver le jambon BNG, qui est un jambon, encore une fois, vieilli, du nuja. Le nuja, c'est une saucisse de porc épicé qui est à l'origine, qui est originaire de la Calabre. Elle est préparée à partir de viande de porc, de piment de Calabre et également d'autres épices, et le tout fourré dans un boyau naturel. Alors, le nuja, c'est une saveur qui est en train de prendre beaucoup, beaucoup de place dans nos tables, à regarder et à déguster. Alors ici, chez Margot à Los Angeles, nous avons ce qu'on appelle les laitues du marché. Nous avons une vinaigrette au babeurre et aux herbes, un peu de graines de tournesol et du jambon serrano frit. On poursuit chez The Most Valuable Playa, encore une fois à Los Angeles, avec The Rock. Ici, nous avons un poulet frit au salé au poivre ainsi qu'un lap qui est un petit saucisson chinois séché qui est très personnalisé, qui va être différent d'un charcutier à l'autre et qui généralement va avoir une couleur rosée ou rouge. Et on accompagne le tout avec une salade de choux et un yuzu au riz. Ici, chez Winson, à New York, nous avons le Fan Tuan, qui est un rouleau de riz farci au porc effiloché avec un œuf yo-a-tio et évidemment la pâte à frire. Donc, belle petite entrée, assez simple à réaliser et qui va nous permettre d'avoir un plat très rentable. On continue avec Donna Angie. Ici, on a le veau d'Apepi. Alors, ici, nous avons du raifort, du speck, du seigle, du piment, des bananes, graines de moutarde marinées et roquette citron. Alors, le speck, c'est une poitrine de porc fumée ou marinée. On poursuit avec Little Spain. Alors, chez Little Spain, nous avons ici le garbanzo morcilla pinotico. Alors, nous avons ici un plat signature composé de pois chiches et de morcilla de boudin. Morcilla, c'est du boudin. Qui nous vient du bar Pinatico au marché Boqueria à Barcelone, ou même encore, il y en a un, je pense, à Los Angeles, il y en a un à New York également. Et tout ça est servi avec un œuf frit sur le dessus. Donc, les pois chiches mis en valeur, vous allez voir que les pois chiches, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur dans la prochaine année. On poursuit avec PNC, avec une petite salade de roquette très simple. Alors, du chicorée frisé, des lardons de bajou de porc. Le bajou de porc, si vous n'avez jamais testé ce bacon-là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est l'équivalent d'avoir le goût du bacon et la texture des oreilles de Christ. C'est vraiment génial. On a également un parmesan reggiano, vinaigrette aux anchois, croûtons grillés au beurre et de l'aneth. Donc, belle petite salade. Ici, chez Winston Bakery, encore une fois, le gâteau au navet. Alors, jambon Bentons, qui est un jambon vieilli et fumé, avec des crevettes séchées, une vinaigrette aussi au chili. Alors, une sauce chili de type Lauanma. Lauanma veut dire vieille grand-mère, et c'est une marque de sauce piquante fabriquée en Chine. Et de l'huile de chili et du vinaigre noir. Donc, encore une fois, très beau petit plat. On continue chez Plado. Alors, chez Plado, ici, on a un plat tout simple de chorizo. Alors, des tranches de saucisson chorizo, un peu de sauté qui sont sautés à l'ail, un peu de gourgane et du citron. Très, très simple, très frais, très agréable. Chez Somerset, ici, nous avons des carottes arc-en-ciel grillées et servies avec du nuja. Vous avez la saucisse nuja ici qui est effilochée sur le dessus.
Donc, très beau plat. La couleur est vraiment belle. Ça va être très intéressant à déguster, ça. Alors, ça complète pour nos umamis. Maintenant, on va regarder rapidement le tour de la tournée que nous avons fait au Canada du 24 au 28 juin 2019 à Calgary, où nous avons visité 20 restaurants différents. Alors, les 20 restaurants différents sont ici. Les sites sont accrochés, c'est que vous allez voir à la présentation. Vous pourrez aller visiter les sites. Ce sont des restaurants qui sont tous aussi intéressants l'un que l'autre. Je vous en ai gardé seulement quelques-uns pour vous présenter un résumé du tour que nous avons fait. Alors, on va y aller rapidement. Alors, au niveau des tendances qu'on a pu remarquer dans notre train tour à Calgary, c'est qu'il y a beaucoup de classiques réinventés. Évidemment, le local, le micro-local et le régional prennent énormément d'ampleur et vont toujours continuer à prendre de l'ampleur. C'est une tendance très forte qui se maintient. Il y a une mise en vedette des aliments d'origine végétale. Donc, les plats végétariens et le vegan prennent de plus en plus de place. Et dans ce cas-ci, on ne parlerait pas d'une tendance, mais on parlerait même vraiment d'un mouvement qui est là pour rester. Les charcuteries prennent beaucoup, beaucoup d'ampleur et sont de plus en plus populaires. On revient aux charcuteries traditionnelles. Les légumes, les verdures et également les agrumes sont des choses qui sont de plus en plus populaires chez nos chefs. Alors, allons-y pour notre tournée canadienne ou à Calgary. On a commencé avec le Cactus Club Café, qui est une chaîne canadienne. Je ne crois pas que nous en ayons au Québec, mais qui est une chaîne canadienne où, qui fait bien les choses. C'est très intéressant quand on va là. Alors, ici, on a un Parable au tofu croustillant. Alors, on a du tofu qui a été mariné au Chili et qui a été sauté pour devenir croustillant, qui est servi avec mangue, edamame, coriandre, concombre et échalote. Tout ça pour 20 $, c'est un plat qui est très agréable. J'ai été vraiment très surpris au Cactus Club de la qualité des présentations et des plats pour une chaîne. C'était vraiment surprenant. Alors, on continue avec Foreign Concept, où nous allons déguster un banh mi de porc au foie gras. Alors, vous avez ici un beau pâté de flanc de porc au foie gras, qui est additionné de carottes marinées, concombres et sauce miso. Ça faisait une très belle entrée, très agréable. Le mélange des saveurs grasses comme le foie gras et les carottes marinées faisait quelque chose de vraiment intéressant en bouche. On continue avec mon coup de cœur au niveau des déjeuners à Calgary, OEB Breakfast. Ce chef-là a la prétention de devenir le premier chef étoilé Michelin qui ne fait que des déjeuners. Alors, je lui souhaite bonne chance et je peux dire par contre qu'il est sur la bonne voie parce que ses déjeuners sont vraiment hors de l'ordinaire. On parle ici de la bénédictine florentin à la truffe. Alors, on a une sauce hollandaise à la truffe qui est servie sur un œuf bénédictine, évidemment, servi dans un demi-avocat, sur des épinards au beurre et tout ça servi avec des pommes de terre rôties aux herbes. C'était tout simplement divin. On poursuit avec Shokunin, restaurant japonais, une izakaya japonaise qui nous a vraiment étonnés. Et un des plats qui nous a plu au point, ça a été l'os à moelle et escargot au miso. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Un os à moelle séché au miso pendant 48 heures et qui a ensuite été grillé. Donc, c'est grillé et rôti au four, servi avec un pistou de chorizo et un peu et les escargots qui sont en dessous de tout ça, plus les micro-pousses. C'était vraiment, vraiment très beau et très bon. On poursuit avec Andrew. Alors ici, chez Andrew, on a tout simplement un chou de Bruxelles frit, des choux de Bruxelles, des oignons perlés, du bacon de bajou, encore une fois, et un peu de sirop d'érable. Une petite entrée très simple, mais qui nous a vraiment surprise par sa saveur et par son goût. On termine maintenant notre tournée canadienne chez Bridget, où nous avons une frite d'aubergine. Alors, regardez, c'est intéressant de façon de travailler les aubergines ici. Nous avons les aubergines qui ont été frites, finies au four, qui sont surmontées d'un yaourt au harissa vert, un jaune d'œuf et également oignons frits et roquettes. C'était vraiment très intéressant comme plat et très surprenant. Alors, c'est terminé pour la recherche de l'umami. Je vous remercie beaucoup. On va continuer maintenant
Quelques diapositives sur les tendances de l'année 2021. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en 2021 et différents outils que vous pourrez trouver pour vous aider à vous démêler à travers tout ça. Alors, on continue. Premièrement, au niveau des recherches, les recherches que l'on fait chez nous pour vous aider se font généralement à travers tous ces médias-là qu'on a ici. Alors, on parle de Marcon, qui est notre coopérative de fruits et légumes privés. On a également des endroits comme chez Kerry, le journal Flavor, chez Technomic, Mintel, sont tous des endroits où nous allons aller chercher des informations pour vous aider. Je vous parlais tout à l'heure de Marcon. N'hésitez pas à aller sur ce lien chez Marcon. Vous allez y trouver une foule d'informations au niveau des fruits et légumes. Marcon, c'est une coopérative dédiée qui appartient à différents distributeurs nord-américains qui veulent s'assurer d'avoir une qualité exceptionnelle au niveau des fruits et légumes et une sécurité impérable au niveau également des fruits et légumes, ce qu'ils appellent le Five Stars in their Security Program. On continue maintenant avec les 10 tendances selon notre chef Michael Villoria, qui est notre chef à Vancouver. Alors, comme vous avez pu voir dans la présentation, il est carrément sur la coche. On parle ici de pois chiches, on parle de viande séchée et de viande séchée à base végétale, comme les jerky végétaux. On parle de grains entiers, des gros déjeuners, mais des déjeuners surtout relevés et bien présentés. On est très populaire, les charcuteries au déjeuner. Les kombucha vont être très populaires aussi, le sont et le seront encore. On parle de la choucroute, des huiles, mais des autres huiles. On parle des huiles de sésame, des huiles de pépins, de raisin, toutes ces huiles spécialités-là. On a également le café qui arrive en 8e place, qui est très présent en cuisine de plus en plus. Et de maximiser les aliments, donc ce qu'on appelle en anglais l'expression « from root to stem », c'est-à-dire d'utiliser l'aliment complètement et de ne pas avoir de perte, de zéro déchet. Et en 10e position, ben, les grignotines, d'avoir des petits plats de grignotines à offrir à la clientèle, peu importe l'heure du jour. Maintenant, on se dirige avec notre chef David Evans, qui est notre chef corporatif à Toronto, qui lui nous dit ici, les charcuteries au déjeuner et à grignoter sur les desserts, mettre un peu de bajou de pâte croustillante sur un dessert, ça ne peut qu'amener une touche extraordinaire. Dans les assaisonnements, il va y avoir le masala, le chai, les truffes, la sauce piquante. Évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, les barres tendres vont être, les bols et les barres tendres sont encore très populaires et vont le demeurer. On fait la guerre au gaspillage, l'utilisation de tous les aliments. Les pots sont très populaires. Alors, pot de saumon croustillant, pot de poulet croustillant, c'est des choses qui sont en train de se développer, un beau créneau. Les kombucha également, on en a parlé tout à l'heure. Les algues que vous avez pu voir dans la présentation, les algues seront de plus en plus présentes et de plus en plus populaires. Le fromage et les bacon vegan. Donc, on parlait tout à l'heure des produits vegan, mais ça va continuer à se développer et ce sera de plus en plus demandé. Les plats réconfortants cuits au four. Alors, on parle ici des muffins de spaghettis aux boulettes de viande, des tartes à la lasagne, des gratins de pommes, des casseroles, des casseroles de légumes, des frittatas, du macaroni au fromage exotique, des choses comme ça. Des plats qui sont très, très réconfortants. Des plats végétariens et vegan, en croûte, évidemment. Et les plats à emporter zéro déchet, qui est quelque chose qui fait son entrée et qui va devenir probablement dans les prochaines années, quand on va revenir à la normale, probablement de plus en plus intéressant. Alors, les deux compagnies ici qui nous ont sorti, Tiffin et Andy, qui ont des systèmes de contenants à consigne qui peuvent être intéressants si c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Maintenant, les 10 tendances selon moi. Alors, moi, j'ai fait mes recherches cette année. Je me suis dirigé un peu plus du côté opérationnel de la restauration pour voir qu'est-ce qui va être populaire. Alors, au niveau culinaire, on est à gauche. Au niveau technique, on est à droite. Donc, au niveau culinaire, on va avoir évidemment le flexitarisme qui va devenir de plus en plus populaire. Les gens
veulent être capables d'avoir accès à tout ce qui se fait et de toutes les façons possibles. Donc, le vegan, le végétalisme va être de plus en plus populaire. Cette année, les agrumes, les gingembre, les petits fruits, les ingrédients de 2021 qui vont renforcer l'immunité. On va parler beaucoup d'immunité cette année. On ne se demandera pas pourquoi, mais les aliments qui vont renforcer le système immunitaire seront très populaires. Évidemment, il va y avoir beaucoup de recherches au niveau du tourisme alimentaire. Donc, des plats réconfortants pour faire du tourisme culinaire. Donc, être capable de visiter le monde, mais dans notre assiette, d'avoir cet exotisme à la table. Ça va être important d'être capable de l'apporter à notre clientèle. Je reviens moi-même avec le zéro déchet. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important en cuisine. De s'afficher comme étant quelqu'un qui génère peu de déchets et qui est soucieux de l'éco-responsabilité. Les boissons bonnes pour la santé et pour l'humeur, qui ont peu de sucre, qui ont de la théanine, des antioxydants et des ingrédients simples. Donc, on s'éloigne des sodas et des choses comme ça et on se dirige vers des boissons qui vont avoir des choses à offrir. Au niveau technologique, les codes QR pour les restaurateurs, ça va devenir important que les clients puissent avoir accès à votre menu et accès à votre menu de livraison simplement par un code QR qu'ils vont pouvoir scanner rapidement. Au lieu d'avoir un menu en main, que le client puisse simplement scanner le code sur la table et son menu apparaît sur son téléphone intelligent. Ça va être quelque chose qui va être recherché de plus en plus car les contacts qu'on peut s'inviter vont être le plus diminué possible. Les commandes en ligne, ça va se poursuivre. Les commandes pour emporter, ça va se poursuivre et ça va même garder son tempo pendant encore une bonne année, si ce n'est pas 2-3 ans. On verra si ça va s'essouffler. Moi, j'en doute. Je pense que ça va demeurer. Les points de service omnicanal. Alors, les nouveaux restaurants qui vont se bâtir, on va voir que les restaurants vont changer au niveau de l'apparence. On va avoir des salles à manger qui vont être plus réduites. Par contre, on va voir des lignes de commandes à l'auto double. On va voir également des espaces dédiés pour les commandes à emporter et des portes dédiées pour les commandes à emporter parce que ce créneau-là qui s'est développé va définitivement perdurer. Les cuisines fantômes, c'est quelque chose qui s'en vient très fort. C'est d'être capable d'opérer à l'intérieur d'une cuisine qui est strictement une cuisine, qui n'a pas de salle à manger. Plusieurs concepts. Et d'être capable de livrer à partir de cette seule cuisine-là plusieurs concepts de restauration, ça vous permet de vous éclater et d'avoir un meilleur rayonnement au niveau de votre clientèle tout en ayant seulement un endroit à payer. L'image de marque des restaurants à la maison, c'est-à-dire d'avoir votre marque de restaurant qui est disponible chez l'épicier du coin ou qui est disponible dans les grandes surfaces, c'est de plus en plus demandé et les gens veulent y avoir accès. Et également d'avoir des services associés, des services de fidélisation avec votre clientèle, des services de points avec votre clientèle qui font que à chaque fois qu'ils consomment chez vous, ils gagnent quelque chose et ça va leur revenir éventuellement. C'est quelque chose qui va être développé dans l'avenir. Évidemment, on est à la recherche de l'emballage idéal et ça va se poursuivre. Donc, l'emballage qui est éco-responsable, qui est techno et qui est adaptable et personnalisable. Donc, tout ça ensemble va faire que les emballages de l'avenir seront de plus en plus techno et de plus en plus adaptés à notre réalité. Maintenant, on passe à tout autre aspect. On passe au côté visuel. Alors, on a ici chez nous Teresa Weller qui, chaque année, nous sort les couleurs de l'année et les influences. Les grands influenceurs, qu'est-ce qu'ils prévoient comme étant la couleur de l'année. Alors, on voit qu'en 2019, c'était le rose. En 2020, c'était le bleu. Et maintenant, pour 2021, nous allons aller dans le jaune illumination et le gris ultime. Alors, les deux couleurs de l'année sont ces deux couleurs-là. Et selon Pantone, on nous dit que l'union de la nuance éternelle d'Ultimate Grey et le jaune vif illuminating exprime un message positif et intrépide, pratique et inébranlable, mais à la fois chaleureuse et optimiste. Cette association de couleurs nous apporte résilience et espoir. Nous avons besoin de nous sentir encouragés et inspirés. Cela est essentiel à l'être humain.
Ben, effectivement, on a besoin d'être encouragé et de se sentir vivant. Alors, ces deux thèmes-là sont probablement des thèmes qu'il faudra aborder, ou au moins voir de quelle façon on peut les aborder. Et vous allez voir, en cuisine, ça va se faire de cette façon-là. Alors, les couleurs seront adressées soit dans dans nos assiettes, c'est-à-dire les assiettes que l'on va acheter, que l'on va présenter sur la table, ou encore trouver des façons d'adresser ces couleurs tendances-là dans notre façon de préparer les aliments. Si on regarde au niveau du jaune, mais ça va être plus simple, évidemment, parce que là, on parle de la mangue, de la banane, on parle également du citron et du yuzu qui sont très, très populaires cette année. Et qu'est-ce que ça nous amène? Ben, ça nous amène chaleur, optimisme, positivisme et toutes ces belles qualités-là que l'on va rechercher en 2021, car on peut s'entendre que 2020 n'a pas été facile. Alors, maintenant, je vous laisse sur une vidéo de mon ami Michael Veloria à Chicago, excusez-moi, à Vancouver, qui nous a préparé une vidéo sur les 10 tendances culinaires en 2021. Alors, voici qui complète notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des endroits où vous voulez revenir sur la présentation, n'hésitez pas à contacter votre représentant qui se fera un plaisir d'entrer en contact soit avec un de vos spécialistes ou avec moi-même. Et n'oubliez pas, nous demeurons à votre service. Alors, sur ce, je vous dis merci et au revoir.